J-11 avant les législatives anticipées. Un délai court pour les organisateurs. Exemple à Saint-Dié pour les soirées électorales et la tenue des 14 bureaux de vote. 200 personnes seront mobilisées, services informatiques et état civil notamment. Et à l'approche des vacances d'été, les volontaires sont plus difficiles à trouver. L'autre contrainte concerne l'attribution des locaux qui accueilleront les bureaux de vote. Vous avez un mariage donc dans une salle, dans un bureau de vote, et ce bureau de vote est réellement isolé, donc on ne pouvait pas le déplacer. Donc on a réussi à joindre les mariés qui ont eu la chance de trouver, eux, une salle très rapidement. On avait la confrérie du bonhomme qui faisait leur gala annuel dans la salle où on proclame les résultats, l'espace François Mitterrand, donc il n'était pas question qu'on leur laisse malheureusement, qui eux également ont trouvé une solution. À Rue-sur-Moselle, la problématique est similaire avec l'organisation prévue fin juin de la 30e édition du rallye Rupéen. 120 équipages automobiles plus leurs assistants étaient attendus sur le site des bureaux de vote. Avec au programme de nombreuses routes bloquées, il a fallu se résoudre à tout annuler. Les conséquences pour l'association financière, puisqu'il y a des choses qui étaient engagées et malheureusement qui ne pourront pas retrouver. Des conséquences également pour le monde économique local. Un casse-tête pour les maires, garant de l'organisation sereine du scrutin. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner parce que les gens veulent savoir dans quelles conditions ils peuvent donner procuration ou recevoir procuration. Autre difficulté qu'on a eue, c'est les citoyens qui voulaient s'inscrire sur les listes électorales. Donc il y a eu un moment de flottement et le temps qu'on pose les questions, on nous a dit que les listes étaient closes le 10 juin dernier, sauf les cas dérogatoires. Et puis bien entendu, les jeunes qui ont 18 ans révolus à la veille de l'élection. Le gouvernement a accordé en début de semaine une trentaine de dérogations dans les Vosges pour les communes ayant nécessité de déplacer exceptionnellement les bureaux de vote.